plateau de chaque... C'est ça, c'est pour ça que j'étais en train d'arranger. Qu'est-ce que tu veux? Il faut une deuxième bassine, en fait. Les deux entrées, là, ne sont pas encore... J'ai ma casserole que j'ai apportée dedans, pour mélanger. Voilà, donc on est en pleine préparation. Nous sommes ici dans le local de projet de cohésion sociale des Goujons. Et donc on travaille en partenariat avec la SBL ULAC, Union des locataires d'Anderlecht-Kurigem. Et donc on est dans leur local, on l'utilise pour faire l'atelier cuisine avec le groupe des femmes qui s'appelle maintenant les Tulipes d'Anderlecht. Donc on essaye de faire des repas pour pas cher, pour attirer les habitants du quartier, pour créer de la cohésion sociale, mais aussi pour avoir une caisse à la fin de l'année pour le groupe des femmes, pour faire des activités extra, autres que des activités que l'on fait pendant l'année, en fait. Partir dans les Ardennes, on faisait des voyages, un groupe de voyages, et c'est magnifique. Et comme je suis tout seul, donc j'aime bien. Le salaire, il faut juste... Madame. Le mix. Il nous reste une heure, les filles. Hein. Pardon ? Il est 10h30. Je suis contente d'être ici parmi le groupe de l'ULAC ou des Goujons. Ça va ? Bon appétit. J'ai mangé 4 jours. J'ai déjà vu la famille. Que j'ai. Bon appétit. Bon appétit. C'est pas un restaurant social, mais presque. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'esprit d'un restaurant social dans le sens où mais on va pas mettre un repas plus cher que 5 euros. Merci beaucoup. Parce que on sait que les gens du quartier ne sont pas des gens aisés, quoi. Donc on essaye de mettre le prix selon le niveau de vie des gens, ce qui est tout à fait normal.